C'est parti pour notre huitième et dernier rendez-vous du jour sur l'hippodrome de Rouménil-Bouteille. C'est le prix Antoine Parmentier, 1400 mètres à couvrir. Le favori, c'est l'homme Kirikal. C'est le numéro 2, c'est le concurrent gris avec cette casaque bleue qui est à l'extérieur à cet instant en 9-10e position. Mais on avance en tête avec le numéro 4, Spirit of Pauline, qui prend le meilleur devant le 15, Kings Canyon, qui est en 2e position avec en 3e position ensuite. Le numéro 3, c'est au pas du panier par le numéro 16, Arthur. Et le 11, Grey Frost, qui est toujours côté corde devant le 12, Steel Vendôme, ainsi que le numéro 3, 7 au Viking Quest, le numéro 1, se rapprochant maintenant en épaisseur, emmenant dans son dos Kirikal, emmenant encore dans son dos Tiberio, emmenant encore dans son dos le numéro 5, Oxanueva, alors que le 6, Broken Time, c'est pour l'instant à l'arrière-garde, avec toujours parmi les derniers également, le numéro 10, il s'agit de Pericala, bientôt l'entrée de la dernière ligne droite, voilà qui est fait, avec un peloton qui vient en pleine piste sous l'impulsion du numéro 4, Spirit of Pauline, avec à son extérieur Viking Quest qui est lancé maintenant, avec également le numéro 15, Kings Canyon, alors que se rapproche maintenant le numéro 16, Astartois, avec Race for Fame également, le numéro 7, Pericala également qui vient, et puis Kirikal. Kirikal qui vient maintenant complètement dehors, le numéro 2. Kirikal qui est lancé par Eddie Ardoin, qui vient prendre l'avantage avec le numéro 16, Astartois, qui est deuxième, avec également à l'extérieur le numéro 8, Tiberio, qui refait le terrain, mais Kirikal s'impose le 2. Deuxième place pour le 8, Tiberio. La troisième pour le numéro 5, Oxanueva, devant le numéro 16, Astartois, et le numéro 9, Mystical Rock. Pas de problème pour la victoire pour Kirikal qui s'impose. Eddie Ardoin, Philippe de Mercastel, la casaque de l'écurie Bader, ce fils de Vattori, 4 ans, s'impose, c'est le favori à 3,70 €. La deuxième place pour le numéro 8, Tiberio, qui était proposé à 7,40 €.